Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée direction l'hippodrome de Vincennes pour un superbe week-end qui nous attend avec bien entendu en point d'orgue ce dimanche 28 janvier le prix d'Amérique qui sera support de Quintée, le plein de partants, 18 partants. En attendant, on a droit à un autre temps fort ce samedi 27 janvier. C'est un quintet qui est toujours attendu, le prix du Luxembourg. Ce sera la quatrième course du programme dans cette première réunion prévue à 15h15. Regardez au niveau des conditions, des chevaux de 5 à 11 ans n'ayant pas gagné 800 000 euros. On est juste en dessous des meilleurs. En général, d'ailleurs, les concurrents qui n'ont pas les gains ou qui n'ont pas réussi à se qualifier pour le prix d'Amérique y participent, comme un certain Ganet de Banville que j'ai, pour ne rien vous cacher, retenu en tête. Toujours est-il qu'ils sont 16 au départ sur un parcours de vitesse, 2100 mètres de la grande piste, avec bien entendu un départ donné à l'aide de l'autostart. Donc voilà, un petit peu pour les conditions. Voilà, vous avez le tableau devant les yeux. C'est pas facile. On a vraiment des concurrents qui ont des profils assez variés. Et c'est vrai qu'en général, ce genre de compétition peut réserver des surprises parce que il y a une question de parcours, faut pas trop faire d'efforts, faut pas faire le fort non plus parce que ça peut être très long 2100 mètres malgré tout. Et voilà, moi j'ai retenu Ganet de Banville tout simplement parce que bon, c'est sans doute son meilleur engagement de l'hiver étant donné qu'il n'a pas réussi à se qualifier pour le prix d'Amérique. Hein. Il aura tout tenté Jean-Michel Bazir, malheureusement son cheval n'est pas aussi fort qu'il y a 2 ans. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est un super cheval. Hein. Il a terminé 6e du prix de Belgique, 5e du prix de Belgique, pardon. Et franchement, il n'a pas démérité quand on voit l'opposition contre laquelle il a couru. Hein. Donc, honnêtement, il a tenté sa chance dans le prix de Belgique, également dans une autre préparatoire. Là, l'engagement est vraiment idéal. Il a de la vitesse. Regardez, c'est l'un des rares concurrents à être descendu sous les 1-10 hein, sur ce parcours. Enfin, en tout cas, sur un parcours de vitesse de l'hippodrome de Vincennes. Donc, c'est vraiment pas mal. Pas mal du tout, même. C'est, à mon avis, suffisant pour pouvoir l'emporter. Toujours est-il qu'il est déféré des 4 pieds. Le numéro ne m'importe peu hein, avec ce cheval-là, le numéro 7. C'est un petit peu en dehors. Mais ça va partir vite, à mon avis. Jean-Michel Bazir ne va pas forcément chercher à le démarrer, sachant qu'il y a quand même des étrangers capables d'aller très très vite au départ. Et voilà, au train, il est capable de revenir. C'est un cheval de qualité. Et pour moi, il a largement la pointure d'une telle épreuve. Il n'aura toutefois pas course gagnée face au numéro 8, Great Skills, qui a perdu toute chance au départ en dernier lieu, hein, dans le prix de Belgique. Auparavant, c'était vachement bien. Je ne sais pas si on l'a, cette course de Great Skills, où elle terminait 4e. Voilà, le prix Ténor de Beaune. Prix Ténor de Beaune, tout simplement remporté par Ida Othiar, qui est au départ du prix d'Amérique, devant Isor Vedake, au départ du prix d'Amérique, et Inma Rosa, au départ du prix d'Amérique. Donc, elle a été battue pardon, par 3 chevaux qui vont courir dans la plus belle course de l'hiver. Donc, honnêtement, la ligne est en béton. Dernièrement, son entraîneur a quand même tenté le coup dans le prix de Belgique. On ne sait jamais, sur un malentendu, il aurait peut-être pu essayer de grappiller quelque chose. Mais en tout cas, c'est une jument de qualité. Elle l'a prouvé. Je pense que le fait de revenir sur ce parcours va jouer en sa faveur. Elle y avait très bien fait lors de ses débuts sur notre sol. Bon voilà, c'est une jument de 6 ans qui a autant de gains que ses aînés. Ça indique quand même une certaine valeur. Et pour moi, malgré son numéro en dehors, elle doit lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu l'As, Ida Lignery, encore un concurrent de 6 ans. C'est un cheval de qualité. Alors lui aussi a tenté sa chance dans le prix de Belgique. Malheureusement, il n'est pas de ce calibre. Il a pris la tête, il s'est fait relayer. Puis pour finir, c'était compliqué. Mais voilà, là, il descend de catégorie. Puis bon, faut se souvenir quand même que c'est un super cheval. Hein. Il a des titres à faire valoir, notamment dans cette très bonne génération des I, face à des chevaux comme Ida Othiar, Isor Vedake. Donc franchement, il a toujours fait partie un petit peu de l'élite de sa génération. Là, il a un bon numéro derrière la voiture. Il sait aller vite également, hein, et regardez son chrono, 1-9-8, franchement, il a pas mal d'atouts dans son jeu, et je pense qu'il faut vraiment le reprendre en confiance, et à mon avis, s'il fait sa vraie valeur, je pense qu'il est même capable de monter sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 6, Gaspard de Brion, qui a franchi un cap hein, ces derniers mois, un cheval qui s'est imposé dans des très bons lots, notamment en province, hein, que ce soit à Toulouse ou même au Mans, je crois. Voilà, il a confirmé en région parisienne. J'avoue que son avant-dernière sortie sur ce parcours m'a un petit peu laissé sur ma faim. C'est vrai qu'il a été quand même battu par quasiment tout le monde, hein, Great Skills, Bilo Jepson, Sayonara. C'était sur ce parcours, comme je l'ai dit. C'était pas top top, mais bon, dernièrement, il en a quand même battu quelques-uns. Hein. Il a battu Happy Valley, Elite de Gel dans le prix du Forez. Ça prouve qu'il est en forme. Il a de la vitesse. Lui aussi, il a prouvé qu'il appréciait ce parcours, même si lors de sa dernière sortie, il n'a pu faire mieux que 5e. Moi, je pense qu'il a son mot à dire pour les premières places. Mathieu Abrivard, qui a 2 représentants, il est obligé de prendre celui-là parce que c'est sa casaque. Mais en tout cas, c'est un concurrent qui a franchi un palier, comme je l'ai dit, ces derniers mois. Et pour moi, il est capable de figurer à l'arrivée d'une telle épreuve.
Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu FaceTime, son deuxième représentant. Écoutez, c'est très difficile de le situer. Je pense que c'est une question d'impression, hein, de le retenir ou pas, mais c'est un cheval qui reste sur 4 victoires. Il est tout simplement invaincu depuis le début du meeting d'hiver. Il s'est vraiment montré impressionnant en dernier lieu sur ce parcours. Vraiment, il s'est imposé avec une belle aisance. Alors là, il monte de catégorie. Il a le numéro 16. Mais honnêtement, ses limites sont inconnues actuellement. Du haut de ses 9 ans, il est au summum de son art. Et franchement, alors je pense que pour la victoire avec ce numéro 16, ça va être compliqué. Avec un numéro en première ligne, j'aurais pu le retenir plus haut. Là, avec un numéro en deuxième ligne, tout en dehors, faudra quand même qu'il trouve les bons dos pour se faire ramener. Il faudra pas qu'il fasse trop d'efforts. Il est confié à Gabriel Germini quand même, c'est quand même un signe de confiance et pour moi, il faut également s'en méfier, au moins pour une bonne place. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 12, The Billo Jepson. Écoutez, difficile de lui reprocher quoi que ce soit, c'est pareil. C'est vrai que c'est une course qui est très ouverte, mais Billo Jepson, il a fait ses preuves face à des concurrents de qualité en début de meeting. Il a quand même battu un certain Hooker, un certain Horsey Dream, pardon. Il avait remporté une épreuve dans laquelle Hokkaido JL avait gagné, mais il a été disqualifié après enquête. Mais il battait des chevaux de classe ce jour-là. Et c'est vrai que c'est un cheval qui fait tout ce qu'on lui demande. Il est régulier. Il apprécie tous les parcours, déférer des antérieurs comme lors de sa dernière sortie où il a très bien couru. C'était, je crois qu'on l'a d'ailleurs. Voilà, c'était ici derrière FaceTime. Donc avant le coup, voilà, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Je pense pas qu'il soit capable de lutter pour les premières places parce que en deuxième ligne et seulement déférer des antérieurs, à mon avis, il a moins de marge. D'autant qu'il est peut-être un peu meilleur sur les parcours de tenue, mais vu ce qu'il a réalisé depuis son arrivée sur notre sol, on est obligé de lui accorder un certain crédit malgré tout. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 2, Jazzy Perrine. Bah écoutez, c'est une super jument. Hein. On n'a pas quasiment 600 000 euros de gain à l'âge de 5 ans sans avoir un minimum de qualité. Et elle l'a prouvé non seulement sur notre sol, mais également à l'étranger. Elle a quand même montré de la vitesse. C'est une jument de classe. Comme je l'ai dit, voilà, déférée des 4 pieds. Alors certes, elle affronte ses aînés, mais franchement, vu ce qu'elle a montré face à ses contemporains et ses congénères, je pense qu'elle est capable de les regarder droit dans les yeux. Ça va être une question de parcours. C'est une jument qui parfois déçoit un petit peu, mais en théorie, elle a quand même une très belle carte à jouer face à une telle opposition. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 4, Gaspard d'Angy. Écoutez, c'est l'inconnu de cette course. C'est un petit peu l'X de la course parce que il fait une petite rentrée. Bon, on ne l'a pas vu depuis un peu plus d'un mois et demi, hein, et sa victoire dans la clôture du GNT. Maintenant, c'est un cheval qui n'a jamais couru sur ce parcours. Du coup, c'est un cheval plutôt de tenue. Il a déjà couru sur ce parcours, sur la petite piste. Je ne suis pas sûr que ça se soit bien passé. En tout cas, face à des concurrents qui ont de la vitesse, des concurrents étrangers qui sont aguerris à ce mode de départ, j'ai peur que ça soit compliqué. Alors, il est capable de revenir au train parce que c'est un cheval qui a vraiment réalisé une très belle année, qui a vraiment beaucoup progressé durant l'année 2023. Maintenant, face à de tels rivaux sur ce parcours, j'ai des doutes, c'est pour ça que je retiens seulement 8ème, mais bon, son entraîneur le déferme des 4 pieds, il est assez confiant, donc voilà, après, lui est à même de juger son pensionnaire, mais voilà, en théorie, moi je demande quand même à voir. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 5 Dear Friend, deuxième atout de Daniel Wagersten. C'est une jument qui est vieillissante, elle a 11 ans comme vous le voyez, mais elle est encore en pleine possession de ses moyens, et puis elle a quand même terminé deuxième de cette épreuve l'an passé. Donc voilà, l'aptitude au parcours, elle l'a. Son entraîneur a certainement préparé sa représentante avec soin. Bon, il lui préfère clairement Great Skills. Je ne sais pas si c'est lui le propriétaire de Great Skills, mais en tout cas, je pense que Great Skills est un peu meilleur. Toujours est-il que Dear Friend découvre un engagement favorable et pour son retour en France, elle est capable pourquoi pas de surprendre et de prendre une petite place. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas la seule, je pourrais en citer d'autres. Mais en tout cas, voilà pour ma sélection que va récapituler avec le numéro 7, Gané de Manville, que j'ai retenu devant le 8, Great Skills. En troisième position, là, Sidéa Lignery devant le numéro 6, Gaspard de Brion. Ensuite, le numéro 16, FaceTime, devant le numéro 12, Billo Jepson. En septième position, le 2, Jazzy Perrine, devant le 4, Gaspard d'Angy. Et en cas de non partant, le 5, Dear Friend. Écoutez, je vous l'ai dit, c'est très ouvert. Pour moi, Gané de Manville, vu ce qu'il a couru ces derniers temps, il est clairement compétitif pour les premières places, d'autant qu'il a beaucoup de vitesse. Le 8 Great Skills qui sera bien plus à l'aise sur ce parcours. Et puis là, Sidéa Lignery, ça peut être une base assez spéculative parce que la course est ouverte et que notamment Sidéa Lignery, ce ne sera pas le cheval de tout le monde. En tout cas, ce sera mon choix, 7, 8 et As, sachant que la course, comme je vous l'ai dit, est très très ouverte.
On va faire un petit tour du côté du prix. André Meunier remporté par Imne du Gers. Les favoris qui ont répondu présent, mis à part Ed Scott qui a eu un parcours infect en dehors. En tout cas, le 12 Imne du Gers qui s'impose devant le 14 Abel Duvillier, le 3 King Cole, le 10 Grand Canyon qui rassure et qui termine de belle manière, tout comme le numéro 9 Happy Pacha qui conclut l'arrivée de ce quintet qui vous était indiqué, hein, tiercé quarté quintet par nos deux rubriques, mais également quarté ordre et tiercé ordre de la part de Top Prono. Hein, regardez le quarté ordre à plus de 430 euros avec les bonus. C'est vraiment une belle performance de notre rubrique qui s'illustre, hein, après avoir laissé Turf Sélection faire le boulot quelques jours auparavant. En tout cas, vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement comme vous le voyez. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder, pour pouvoir tester ces deux rubriques. Vous avez également le lien de notre formation exclusive. Plusieurs heures de vidéos pour apprendre à faire le papier et pour être indépendant dans l'étude des courses. C'est vraiment une formation qui a été faite pour vous avec plusieurs heures de vidéos et de modules pour y voir plus clair. Ça, c'est le deuxième lien. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, bien entendu, le Prix d'Amérique. On essaierait de faire peut-être un petit peu plus long ou pas. On verra. En tout cas, c'est une très très belle course qui est extrêmement ouverte pour un prix d'Amérique et on en reparlera d'ici là demain. Je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.